Elles sont venues en tant que ligue, en tant que des jeunes, pour accueillir le monsieur Dieka qui est venu d'un voyage. Et à cette occasion, arrivé à l'aéroport de Ndjili, nous avons vu monsieur Cyril Héro, qui est l'envoyé spécial de monsieur Obama dans les pays des Grands Lacs. Nous ne l'avons pas insulté ou quoi que ce soit, mais nous lui avons démontré notre mécontentement pour les positions qu'il prend aussi délibérément sur la situation de notre pays. Que ce soit la dernière fois que vous pour abîmer notre pays. Nous n'avons fini. plus besoin de vous. Messieurs, vous pas attention avec les Congolais. Vous devez savoir que le Congo est un pays souverain et que les incursions étrangères qui se font de manière partisane sont sujets à déstabiliser nos pays. Les Congolais sont aujourd'hui en train de trouver une solution à la question électorale de leur pays autour du dialogue qui a été convoqué par le chef de l'État pour le processus électoral. Il n'est pas important que l'on vienne jeter du feu aux poudres pour essayer de faire détonner le Congo par des déclarations intempestives qui n'accompagnent pas cet élan de paix qui est soutenu par l'Union africaine et les Nations Unies. Raison pour laquelle nous avons clairement dit à ce monsieur qu'il n'était pas la bienvenue ici dans ce pays. Qu'il pouvait utiliser toute son intelligence, tout son esprit d'analyse dans d'autres pays, mais pas en Afrique, parce que nous avons compris que son intelligence est une intelligence de déstabilisation et une intelligence nocive.